Les axiomes, on devait les accepter tels quels et les appliquer. Eh bien, on a gardé beaucoup trop d'axiomes et pas assez de théorèmes. On a gardé les dogmes, ce fardeau dans l'avenir, et évidemment, ça nous encombre. Quand on voit les grands succès de l'histoire de l'exploration, comme marcher sur la Lune, monter à l'Everest, voler en avion, il n'y avait que les dieux qui avaient le droit de voler, et les oiseaux qui étaient les animaux sacrés. A bunch of lonesome and very quarrelsome heroes. Pourquoi seriez-vous prêts à investir du temps et des efforts? Sommes-nous prêts à les jeter par-dessus bord comme du lest? Je vous souhaite une excellente aventure de la vie. Beaucoup d'esprit de pionnier, pas trop de lest, la bonne altitude et la bonne direction. Parce que ça crée des emplois, mais pourquoi la création d'emplois doit-elle être un objectif de ces actions-là? Mais du coup, c'est très intéressant parce que vous me mettez face à mon conditionnement qui est la technologie n'est pas la solution, elle peut aider, mais voilà. Ça me permet de préciser, mais je pense que vous l'avez remarqué dans ma manière de parler, c'est que je ne suis pas un technophile. Le technophile, il croit que la technologie va tout résoudre. Or, la technologie...